Voilà. Donc, je lance l'enregistrement. Je vais juste vous présenter qui nous sommes pour ceux qui ne nous connaissent pas, sinon c'est le cas. Donc, en fait, la dynamique prospective industrie, ça a été lancé en fait il y a plus d'une dizaine d'années, donc en Pays de la Loire. Et il s'agit en fait d'une dynamique collective par et pour les industriels, alors dirigeants industriels de la mécanique et de la métallurgie. Et en fait, c'est un outil de collecte d'analyse où on va capter des signaux faibles, 2 fois par an. Donc, ça se déroule 2 fois par an et c'est à destination, comme je l'indique, donc des dirigeants de PME industrielles présentes à l'heure actuelle maintenant dans 5 régions de France. Donc, parmi les régions que nous occupons, c'est au niveau des Pays de la Loire, également à destination des industriels en Bretagne avec le réseau Brasfab, également donc en Haute-France avec le réseau de Cap Industrie, et également dernièrement, depuis 2 ans, en Nouvelle-Aquitaine et également en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc en fait, on a justement la destination de ce panel-ci. Donc en fait, c'est en 3 temps. Les rencontres, en fait, ce qui va aboutir aux rencontres. Donc, d'une part, on collecte les signaux faibles, donc ce qui interpelle, ce qui marque des industriels et des experts. Donc, c'est une collecte qui se déroule à peu près sur 4 mois. Suite à cette collecte, on va analyser, synthétiser tous les éléments qu'on a pu capter à travers des experts, dont Monsieur Rapp, justement, dans le cadre de la collecte, a fait partie, et également d'autres industriels, pour aboutir en fait à des rencontres. Donc en fait les rencontres prospectives, donc 2 fois par an. Donc là il y en a une il y a quelques semaines pour les dirigeants industriels. Et donc c'est l'occasion en fait de partager les signaux captés, mais également de les alimenter pour les industriels. Donc c'est pareil pour les industriels où là justement il y a la possibilité qu'ils expriment, qu'ils rebondissent et qu'ils échangent, donc une vraie interaction autour de ces signaux. Alors nous, notre prospective, ce n'est pas une prospective du type futurible. On est plutôt sur une prospective, ce qu'on a tendance à dire, de gagner le quart d'heure d'avance. Donc en fait, à court, moyen terme. Et on n'est pas sur des prospectives de 10 ans, par exemple. Hein. On est vraiment quelque chose qui peut être accessible et surtout opérationnel ensuite pour les dirigeants industriels. Et donc, suite à ces rencontres-là, en parallèle, il y a la publication de la revue Prospective Industrie, qui paraît notamment via notre site Internet. Donc, si vous êtes curieux, intéressé, n'hésitez pas à suivre la page LinkedIn Prospective Industrie. Et puis également, donc, on a un site Internet qui permet de partager les signaux qui ont été captés lors des rencontres et en parallèle bénéficier aussi des revues prospectives, donc où là on a également la possibilité de revenir sur les témoignages d'industriels lors de ces rencontres-là. Voilà, donc ça c'est d'une part les rencontres et puis ce qui nous amène à vous retrouver ce matin et nous vous remercions de votre présence, ce sont également en parallèle des opportunités marché. Donc là, en fait, on s'adresse aux dirigeants industriels pour capter les potentiels aussi par rapport à leur marché, à leur business. Donc habituellement, ce sont plutôt des ateliers qui ont lieu à la suite de la rencontre. Mais là, dans le cadre du contexte que nous connaissons tous, voilà, nous proposons du coup des webinaires. Donc, par rapport à ce webinaire de ce matin, webinaire autour des révolutions spatiales, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Lucien Rapp, qui est parmi nous et qui va nous faire une présentation. Donc, je vais vous présenter brièvement. Lucien, n'hésitez pas, bien entendu, à vous présenter de façon peut-être plus détaillée par la suite. Monsieur Lucien Rapp, qui est justement professeur à l'université, professeur de droit à l'université Toulouse-Capitole, et puis également qui est directeur de la chaire Sirius. Je pense que vous aurez l'occasion de nous en dire plus. Lucien, je vais vous laisser la parole. Bien, écoutez, d'abord, permettez-moi immédiatement de vous dire le grand plaisir que j'ai de vous rencontrer. Je le fais, si j'ai bien compris, non seulement aux présents que je salue personnellement, mais également à tous ceux qui nous rejoindront par les ondes. Je veux parler de tous ceux qui
suivront cet enregistrement et je me réjouis par anticipation des échanges que nous pourrons avoir et qui peuvent évidemment se dérouler par voie de courrier électronique ou tout simplement au téléphone. Je voudrais vous remercier l'opportunité que vous m'offrez de parler d'un sujet qui m'est cher, puisqu'il s'agit du développement actuel des activités spatiales. Et je vais le faire en ma double qualité d'universitaire. Alors, vous avez rappelé que j'étais professeur de droit et non pas ingénieur, de telle sorte que mes connaissances ont parfois des limites, mais je suis avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'acuité l'actualité dans le secteur spatial et je crois pouvoir dire que je suis à jour de l'ensemble des connaissances. Et puis, vous le rappeliez, je suis le directeur scientifique d'une chaire que nous avons créée il y a maintenant 7 ans à l'Université Toulouse-Capitole. Une chaire d'entreprise, eh bien, c'est tout simplement une ligne budgétaire constituée par des opérateurs économiques, comme vous l'êtes tous, directement ou indirectement. Mes sponsors sont rien moins que Airbus Defence and Space, donc le premier constructeur, l'un des premiers constructeurs mondiaux de satellites, Thales Alenia Space, la société conjointe franco-italienne, qui est également l'un des constructeurs mondiaux les plus en vue, et puis l'Agence spatiale française, qui est le CNES, le Centre national d'études spatiales, et qui suit avec un grand intérêt les travaux de la chaire Sirius. Il y a quelques jours a eu lieu la réunion annuelle du sous-comité juridique du COPUOS. Le COPUOS, c'est l'équivalent d'une organisation internationale pour le secteur spatial, et bien évidemment les représentants de la France, les agents de notre agence spatiale, ont fait état des recherches, et comme chaque année, ils ont fait état des recherches que la chaire Sirius avait conduites. Nous publions beaucoup en anglais, nous sommes une vingtaine à travailler sur ces questions, et nous le faisons avec le grand désir d'aider l'industrie française et l'industrie européenne à prendre des positions importantes dans ce secteur d'activité qui est prometteur. Alors, je salue les conditions sanitaires pour une fois, parce qu'elles me donnent la possibilité de vous parler très librement, en me privant toutefois de l'opportunité de vous rencontrer individuellement. Je voudrais également vous demander d'excuser ma tenue qui est un peu estivale, mais comme vous le savez, nous sommes dans le sud-ouest victimes depuis quelques jours de mouvements caniculaires. Nous avons eu un orage cette nuit qui a permis de calmer un petit peu la montée des températures, mais nous avons actuellement 29 degrés à l'extérieur, donc il est difficile de porter des cravates, mais au demeurant, je vois qu'autour de moi, beaucoup s'en sont dispensés, donc je suis plus proche de vous. Sentez-vous à l'aise. Voilà, exactement. Alors, ma conviction que j'aimerais vous faire partager, je vais le faire à partir d'un document animé, c'est tout simplement que ce qui se passe aujourd'hui dans l'espace extra-atmosphérique a un impact ou est susceptible d'avoir un impact important, considérable, me semble-t-il, dans les années qui viennent sur nos activités terrestres. Et quand je parle d'activités terrestres, je désigne bien évidemment des activités économiques et des activités industrielles. Et ces activités industrielles, celles que je vise, ne sont pas simplement les activités qui ont un rapport direct avec l'espace extra-atmosphérique et avec ce qui s'y passe, mais aussi des activités très traditionnelles. Je voudrais ici indiquer que je ne suis pas dans l'optique de ces grands dirigeants du moment du secteur spatial. Je veux parler de Richard Branson avec son entreprise Virgin Galactic, de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui lui-même est en train de conduire une épopée spatiale qui représente son rêve d'enfant, ou encore d'Elon Musk, le patron de SpaceX. Je ne suis pas dans cette idée que l'humanité de demain aura quitté notre Terre, sera une espèce de l'humanité en migration vers d'autres planètes, la Lune et sans doute Mars à échéance moyenne. Non, je ne suis pas du tout dans cette idée, je suis plutôt dans des choses très terrestres, des considérations qui ont un rapport avec notre quotidien. Je reste persuadé en effet que ce qui se passe dans l'espace a et aura plus encore dans les années qui viennent une incidence déterminante dans le secteur spatial. Je voudrais simplement évoquer une anecdote. Je suis sollicité, évidemment, comme beaucoup de mes collègues, pour travailler sur des sujets d'avenir, d'envergure, liés au secteur spatial. Vous savez que l'un des sujets du moment, c'est précisément la constitution de villages lunaires. Nous avons des réunions qui souvent sont des réunions tellement prospectives que l'on s'interroge sur le sens de ce que nous faisons. Et l'autre jour, j'ai été
dans l'une de ces réunions, entouré d'une grande partie de l'industrie française. Et ce qui me frappait, c'est que l'industrie était à mes côtés, les représentants de cette industrie étaient des industriels très traditionnels. J'avais notamment à côté de moi un représentant de l'entreprise Essilor. Et évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher à la pause de poser à mon voisin de table une question très indiscrète, lui demandant pourquoi il était là. Essilor, pour moi, c'était la fabrication, la mise au point de lunettes, et donc je m'interrogeais sur la présence d'une entreprise, certes mondiale, d'envergure, dans une réunion dont l'objet était tout simplement d'essayer de déterminer ce qui allait se passer lorsque l'on aurait colonisé la Lune. Et il m'a expliqué qu'effectivement, l'un des sujets importants d'Essilor, c'était la myopie, et que lorsque l'on travaillait dans une atmosphère confinée, privée de lumière, eh bien, évidemment, on aggravait les difficultés que l'on avait naturellement lorsque l'on était myope. Et il m'a dit, nous, Essilor, nous sommes immédiatement concernés par ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer sur la Lune, parce que nous voyons immédiatement des opportunités de marché. Et avec cette anecdote, j'ai tout dit de ce qu'est le projet de mon intervention, étant précisé que je reste naturellement très intéressé par vos questions et que j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes compétences. Et je voudrais très simplement vous dresser un panorama à partir de la présentation donc, que j'ai prévu de vous faire et dont j'espère que je vais pouvoir la partager. Voilà, je pense que ça va être fait dans un tout petit moment. J'installe mon outil et j'imagine que vous voyez la présentation que j'ai prévu de faire. Il s'agit d'une diapositive qui va s'animer au fur et à mesure de mes propos. Alors, vous voyez en son centre ce titre de l'espace au SPAC, et vous voyez immédiatement, vous pouvez vous interroger sur le point de savoir pourquoi j'ai fait disparaître les deux œufs. J'ai en quelque sorte coupé l'omelette par les deux bouts, comme disent les hommes politiques les plus en prise avec la situation confuse qui est celle de la politique dans notre pays. Qu'est-ce qui différencie ces deux mots ? L'espace, je n'ai pas besoin de vous le présenter, c'est tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes, et je dois, en qualité de juriste, vous apporter cette précision. La limite, la frontière entre l'espace aérien dans lequel circulent nos avions et l'espace extra-atmosphérique où l'on positionne des satellites, cette limite n'a jamais été tracée par un traité international. On a deux traités, en quelque sorte, qui se côtoient. Le traité de Chicago, la Convention de Chicago, qui est la Convention relative à l'organisation de l'aviation civile internationale, et le traité de l'espace de 1967. La Convention de Chicago a été conclue le 7 décembre 1944, et aucun de ces deux traités n'a prévu de définir la frontière qui sépare l'espace aérien sur lequel s'exerce la souveraineté exclusive des États et l'espace extra-atmosphérique dans lequel évoluent non seulement des satellites, mais également des stations spatiales internationales comme celle que fréquente actuellement notre astronaute français Thomas Pesquet ou comme celle que trois taïkonautes chinois ont rejoint il y a quelques heures dans l'espace extra-atmosphérique. Voilà donc l'espace. Et que signifie ce terme SPAC ? Eh bien, SPAC, c'est le sigle anglo-saxon d'une technique de financement qui repose sur le mécanisme suivant. Pour permettre l'introduction en bourse d'une société, eh bien, on crée une société coquille, un véhicule spécifique, c'est ce que signifie le sigle anglo-saxon SPAC. Ce véhicule est introduit en bourse avec la promesse de procéder à une acquisition très rapidement, et l'acquisition d'une entreprise prometteuse. C'est ce qui se produit quelques semaines plus tard. La société coquille acquiert une société qui est une jeune pousse. Et puis, quelques temps plus tard, les deux sociétés, la société coquille et la jeune pousse, fusionnent de telle sorte que la jeune pousse se trouve introduite en bourse. Depuis le début de l'année, on a levé sous cette forme quelque 227 milliards de dollars et grosso modo un tiers de ce montant est venu financer des projets du secteur spatial. Et en faisant immédiatement référence à cette technique de financement, j'ai tout dit de l'intérêt que présente pour les financiers dans un monde qui est dominé, vous le savez, par les fonds d'investissement et par les grands acteurs financiers du moment et par la finance internationale de manière générale. J'ai tout dit de l'importance que revêt pour ceux qui sont chargés de préparer notre avenir, le secteur spatial. Alors, ce secteur spatial, j'aimerais vous le présenter.
comprend que la marche, à travers trois, quatre ensembles de considérations, je voudrais vous parler du contexte, je voudrais vous parler de l'écosystème industriel, je voudrais évoquer avec vous quelques-uns des marchés qui se profilent, et j'évoquerai pour terminer les produits que l'on peut attendre des activités spatiales. Alors, ma première observation sera évidemment pour évoquer le contexte, et ce contexte, il est souvent désigné par cette expression, nous sommes à l'âge de l'espace 3.0, 3.0, c'est-à-dire que c'est plus que 2.0, qui est généralement la référence du secteur des technologies. Alors, cette considération résulte tout simplement de faits que nous avons tous pu observer au cours des dernières semaines, et en particulier de l'envol de Thomas Pesquet et de trois autres de ses collègues vers la Station spatiale internationale, dans une fusée qui a frappé l'imagination pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est magnifique esthétiquement, c'est une fusée blanche qui tranche avec la fusée qui avait amené le même Thomas Pesquet quatre ans plus tôt dans la même Station spatiale internationale, qui est une vieille fusée Soyouz, une fusée russe sans esthétique, sans apprêt. Et puis surtout, cette fusée était surmontée d'une capsule, la capsule Dragonfly. La fusée est une fusée Dragon, et cette capsule est bardée d'écrans tactiques et comporte un espace qui est évidemment sans comparaison possible avec cette vieille capsule, avec ses boutons et ses fauteuils mal commodes que l'on a souvent vus dans les reportages télévisés de l'envol de nos satellites. Et finalement, cette image est une image qui est directement représentative des transformations qui affectent le secteur spatial et qui sont multiformes. Ces transformations vont de la miniaturisation des satellites. Aujourd'hui, on ne lance plus des satellites en orbite géostationnaire, où on les lance de moins en moins, comme on le faisait il y a encore quelques années, au grand dam d'ailleurs des grands industriels, comme ceux qui parrainent ma chaire. On fabrique des satellites qui sont des 10 satellites de 10 cm sur 10 cm et on arrive à les fabriquer en série, ce qui est un exploit parce qu'il y a encore quelques années, ces satellites étaient confectionnés dans des salles blanches dans lesquelles il y avait un silence de cathédrale et on était revêtu de charlottes et de chaussons avec des blouses blanches protectrices pour éviter évidemment que l'on introduise des poussières. Au-delà de la fabrication des satellites, il y a évidemment tous les progrès qui sont réalisés dans leur lancement, et je n'ai pas besoin d'expliquer ce que la société SpaceX représente aujourd'hui, le compétiteur extraordinaire qu'il représente pour notre fusée Ariane Espace et qui l'a contraint à changer complètement son fusil d'épaule et à envisager de nouveaux marchés. Je vais essayer. Ces progrès, en réalité, signe une transformation complète du contexte. Le secteur spatial était traditionnellement organisé autour des États ou de leurs satellites, au sens du terme, c'est-à-dire d'entreprises publiques, d'entreprises dont ils avaient le contrôle, les États, et l'essentiel de l'activité que l'on faisait dans l'espace, c'était une activité d'exploration. Aujourd'hui, le secteur privé a acquis une place déterminante, une place significative. Alors, il est bon de rappeler qu'effectivement, une grande partie des financements qui sont dédiés à l'activité spatiale proviennent des budgets publics, certes, mais on ne peut ignorer, on ne peut plus ignorer qu'il y a quelques mastodontes qui commencent à peser. SpaceX en est une illustration dans le secteur des lancements, mais dans le domaine des futures constellations de satellites, il sera intéressant de surveiller ce que fait Jeff Bezos, que j'évoquais tout à l'heure, le patron d'Amazon, avec sa future constellation Kuiper. Ou ce que fait Richard Branson dans le domaine du tourisme spatial avec sa société Virgin Galactic. Et au fond, ce vers quoi on va, c'est davantage un partenariat public-privé que ce que l'on connaissait jusqu'alors, avec, dès lors que le privé rentre en masse dans le secteur spatial, le passage de l'exploration à l'exploitation au sens commercial du. Le privé montre ses capacités et le privé est capable d'offrir des produits qui sont bien moins chers, bien moins onéreux que ce que étaient les produits classiques que l'on utilisait en matière de lancement. On a réduit la facture par 10, ce qui est tout à fait considérable et ce qui a pour conséquence d'attirer dans le secteur spatial un grand nombre d'opérateurs
qui jusqu'alors n'étaient pas tentés par cette œuvre. Pour en terminer avec le contexte, ces progrès, ce partenariat public-privé qui se dessine et qui est déjà une réalité, se déroule dans un contexte institutionnel international qui est dominé par une compétition phénoménale entre les États-Unis et la Chine. On n'en parle pas suffisamment. Les journaux, les journalistes de manière générale, les médias ont l'œil porté sur des événements qui sont plutôt nationaux, mais c'est une réalité du monde dans lequel nous vivons. Nous sommes au cœur d'une vraie compétition, on peut dire d'une guerre technologique pour assurer et assumer à terme le leadership technologique de la planète. Ce sont les États-Unis d'un côté, qu'ils soient présidés par un personnage peu ordinaire, comme l'était le président Trump, ou qu'il le soit par un personnage plus respectueux des traditions diplomatiques internationales, le président Biden aujourd'hui, et de l'autre côté, évidemment, les dirigeants chinois, les uns et les autres, ont des ambitions, et des ambitions considérables, notamment dans le secteur spatial. Les programmes se succèdent, il y a tout ce qui se passe sur la Lune, il y a tout ce qui se passe ou va se passer sur Mars, et puis tout cela se déroule dans un vide juridique international, puisque les grands traités sont des traités qui datent désormais, 1967, début des années 70, et qu'il n'existe pas une organisation internationale civile de l'espace. Nous sommes dans une situation qui est complètement paradoxale. J'évoquais le COPUOS, mais le COPUOS, c'est un bureau de l'Organisation des Nations Unies. Il fait office d'organisation, mais il n'en a pas les compétences, il n'a pas les pouvoirs. Et aujourd'hui, il manque cette organisation qui pourrait constituer le forum où s'expriment justement ces guerres intestines entre les deux grands leaders mondiaux. Alors, l'écosystème. L'écosystème est aujourd'hui un système industriel dominé par quelque chose qui est déjà une réalité, mais qui le sera plus encore dans les années qui viennent. C'est le surgissement de ce que l'on appelle communément les données spatiales, c'est-à-dire des données d'origine spatiale. Cela va de la surveillance du climat et des dérèglements climatiques jusqu'à l'examen de la salinité des océans, en passant par la surveillance du dégazage en mer, la localisation des bancs de poissons ou tout simplement les activités d'observation, le GPS, que nous utilisons, de localisation, de radiolocalisation, que nous utilisons désormais et qui équipe tous les véhicules, quasiment tous les véhicules en série qui, en tous les cas, figurent dans nos téléphones mobiles. Ces données d'origine spatiale sont aujourd'hui l'objet d'un commerce. Elles font l'objet de traitements, évidemment, très sophistiqués. Et les progrès réalisés dans le domaine de l'intelligence artificielle sont là pour accroître considérablement à la fois en qualité et en rapidité les bouleversements qui sont effectués, et puis surtout commence à faire l'objet d'une commercialisation. Cela a une conséquence importante, c'est que, comme dans de nombreux secteurs d'activité, ce qui était une industrie pure et dure, une industrie en béton en quelque sorte, une industrie en briques, tend à devenir une industrie de services, une industrie qui se dématérialise. L'espace se dématérialise progressivement, et la part de la commercialisation prend le pas sur la part de la construction au sens industriel du terme. Et ceci n'est pas sans préfigurer des transformations très importantes. Actuellement, le CNES qui vient de changer de président est directement amené à s'interroger sur ce que sera le commerce des données spatiales dans les années qui viennent. Alors, ce commerce des données spatiales est intéressant parce que il introduit dans le secteur spatial des quantités de nouveaux entrants, parlés comme les économistes, qui présentent une particularité, c'est que ce sont des nouveaux entrants très récents, ce sont pratiquement des bébés qui très rapidement prennent de l'importance. Vous avez peut-être entendu parler du New Space, la nouvelle version de l'espace, justement cette optique de l'exploitation, de la commercialisation des activités spatiales. Eh bien, aujourd'hui, il est plus exact de parler de fast space. Quand on regarde, et nous l'avons fait au sein de la chaire Sirius, le délai entre le moment où une invention, une innovation technologique devient
donc, est mise au point et le moment où elle devient un objet commercial, c'est-à-dire où elle se transforme en une entreprise qui prend de l'importance, eh bien, ce délai est extraordinairement court. Les plus anciennes ont à peine 5 ans et les plus neuves ont quelques mois et tout va très rapidement. Et ceci, d'ailleurs, commence à soulever un certain nombre de problèmes, et en particulier des problèmes liés à l'encombrement de l'espace proche. En quelques années, ces startups ont réussi à imposer des moyens, des outils que l'on utilise dans le secteur spatial qui viennent non plus dans l'espace profond, l'espace que l'on réservait d'ordinaire et que l'on réserve encore à l'exploration. Ce sont des outils qui concernent l'espace proche, où l'on positionne donc ces satellites, et l'on est dans le domaine à la fois des carburants, des matériaux, de l'assemblage, vous allez y revenir tout à l'heure. Et donc, dans tous ces domaines, l'on voit une véritable effervescence industrielle qui est tout à fait remarquable. Et puis, dernier élément, cette effervescence industrielle est rendue possible parce que le secteur financier international s'intéresse au secteur spatial. Il est frappant de constater que les transactions se sont considérablement multipliées dans le secteur spatial, que les levées de fonds sont désormais significatives, que l'on voit apparaître des acteurs que l'on appelle les Space Business Angels, c'est-à-dire au fond des acteurs financiers qui sont là pour aider à l'émergence de jeunes pousses, et que justement on commence à voir le secteur spatial passer de ce qu'on appelle la seed money, c'est-à-dire au fond le capital de démarrage, les fonds d'amorçage, au capital de croissance, le growth capital, dont le SPAC que j'évoquais tout à l'heure constitue l'une des manifestations. Et vous voyez que là, le triptyque qui est en train de façonner ce qu'est le secteur spatial, le surgissement de ces données d'origine spatiale en très grand nombre et des capacités considérables qu'offre l'intelligence artificielle pour leur traitement et l'utilisation de ces données pour des opérations très prosaïques comme celles que l'on accomplit lorsque l'on branche son GPS ou lorsque l'on utilise son téléphone mobile. La combinaison donc de ces réalités commerciales, la rapidité avec laquelle on passe des innovations technologiques aux projets commerciaux et au fond cet intérêt du secteur spatial et du secteur financier international pour le secteur spatial. Alors pour les marchés, les marchés évoluent de manière tout à fait classique. Le secteur spatial, il ne faut jamais l'oublier, c'est un secteur dual, c'est-à-dire c'est un secteur dans lequel il y a du civil et il y a du militaire. Et il faut être honnête et constater que les innovations sont encore sous-tendues par les préoccupations des militaires et en particulier des ministres chargés des armées. Ça reste un grand compte. Ça l'est même de manière tout à fait importante quand on évoque le statut de l'imagerie spatiale et de l'industrie de l'imagerie spatiale. On est frappé de constater que cette imagerie se porte très bien, mais elle se porte très bien avec une particularité stratégique qui est liée au fait, ou commerciale, qui est liée au fait que son client, et parfois même son seul client, ce sont les ministères de la Défense qui préemptent des images et qui cherchent effectivement à positionner des installations des uns et des autres d'une manière à pouvoir construire leur stratégie de défense. Et la présence de la Défense explique encore que le commerce international ne s'ouvre que pour une part très réduite aux activités spatiales, mais cela est en train d'évoluer. Le commerce des activités spatiales est encore marqué par la présence des États. Aux États-Unis, il n'est pas rare qu'on introduise des clauses nationales qui font que aucun de nos industriels, sauf exception, n'a accès à ces contrats mirifiques et mirobolants dont bénéficie par exemple la société SpaceX. Il y a encore un contrôle très vigilant des exportations pour éviter évidemment la dissémination des armements. Et il y a quelques mois, les États-Unis ont pris l'initiative d'un nouveau traité international, un traité très original, dans lequel ils recensent un certain nombre de principes nouveaux qui viennent repeindre en quelque sorte, redessiner les principes contenus dans le traité de l'espace de 1967. Et dans ces principes, parmi ces principes, il y a un principe très nouveau qui est celui qui légitimise
la mise en place de zones de sécurité autour de satellites, alors au motif qu'il ne faut pas créer d'interférences, mais surtout, plus sûrement, pour protéger, sanctuariser les satellites civils et éviter l'espionnage industriel ou le risque de cyberattaque sur des satellites qui jouent un rôle déterminant dans la conduite des opérations militaires. Une grande partie de notre stratégie militaire est désormais commandée depuis l'espace. Et il ne vous aura pas étonné d'apprendre que la France a pris une initiative importante en créant un commandement de l'espace, l'installant à Toulouse, et en faisant en sorte que nous soyons parmi les premiers, nous sommes la quatrième puissance spatiale mondiale, nous soyons parmi les premiers à consacrer le rôle de la défense dans le secteur spatial. Alors, le secteur spatial est très surprenant parce que, comme tous les secteurs qui acquièrent une maturité très rapide, c'est un secteur dans lequel, finalement, le client est roi. Et les services qui sont fournis sont des services de plus en plus customisés, comme on dit en bon français, c'est-à-dire de plus en plus organisés autour du client. Je voudrais vous prendre trois exemples qui sont tout à fait significatifs, tout à fait d'actualité. Vous avez tous entendu parler du travail des logisticiens, dont le métier consiste à imaginer les transports les plus rapides, les plus sûrs, ceux qui permettent d'acheminer des marchandises à leur lieu de destination dans les meilleures conditions. Et un logisticien, aujourd'hui, utilise énormément de données spatiales. Et ce qu'il demande aux opérateurs de l'espace, ce n'est pas simplement de localiser un camion pour le détourner vers un supermarché où l'on a besoin d'approvisionner des rayons, c'est aussi de déterminer qui du transport maritime ou du transport aérien est le moins cher, le plus rapide, le plus sûr. Quand le canal de Suez a été bloqué pendant quelques semaines, il y a quelques temps, je peux vous dire que les données d'origine spatiale ont été utilisées à plein par les logisticiens pour déterminer quelles pouvaient être les meilleures alternatives au canal de Suez. Et nous avons là une illustration tout à fait significative. Un agriculteur ne se borne pas simplement à essayer d'anticiper ce que sera la météorologie avec des techniques spatiales. Il veut savoir quel est le degré d'hygrométrie de son champ pour pouvoir gérer son arrosage et éviter de faire du gaspillage, ou tout simplement déterminer quel est le tonnage d'engrais qu'il doit mettre dans son champ pour éviter évidemment qu'on mette trop d'engrais par rapport aux nécessités. Et il y a des équipements aujourd'hui qui sont commercialisés et qui permettent aux agriculteurs les plus férus de technique, les plus geeks, de pouvoir gérer dans les meilleures conditions leur exploitation. Évidemment, l'état de notre agriculture fait que bien souvent, ces équipements ne sont pas utilisés, mais ils le voudraient, nos agriculteurs, qu'ils pourraient effectivement avoir accès à tout cela. Et quand on évoque la situation des marins-pêcheurs, bien souvent, ce qu'ils demandent, ce n'est pas simplement de savoir quel est l'état de la mer, c'est de pouvoir localiser les bons poissons. Et cette localisation s'effectue non seulement avec les sonars qui équipent les bateaux, mais aussi, et de plus en plus, avec des moyens satellitaires. Nous avons des sociétés françaises qui jouent un rôle déterminant, je pense en particulier à la société CLS. Et donc, vous le voyez, les prestations sont de plus en plus précises, de plus en plus sophistiquées, de plus en plus en prise avec les réalités du marché. Et alors, une chose tout à fait significative est liée au fait, et c'est aussi une manière de représenter les progrès des techniques spatiales, c'est que l'on voit s'identifier un troisième segment de marché pour les activités spatiales par rapport à ceux que l'on connaissait. Au fond, pour faire simple, nous avions un premier segment de marché qui a longtemps occupé l'industrie spatiale internationale, qui était le segment Terre et Espace. Il fallait construire des satellites, après les avoir conçus, bien sûr, il fallait les lancer et il fallait les mettre en orbite. Et évidemment, il fallait les financer, il fallait les assurer. Et donc, on avait tout un ensemble d'activités qui gravitaient autour de ce premier segment de marché, Terre et Espace. Lorsque les satellites sont entrés en activité, on a vu dessiner un deuxième segment de marché qui est aujourd'hui très actif, c'est le segment Espace-Terre, c'est-à-dire tout le segment de marché qui regroupe la radiolocalisation, qui regroupe la radio, la télévision, les télécommunications de manière générale par satellite, l'Internet aujourd'hui par satellite, qui est une réalité. Et donc, l'ensemble de ces activités ont décrit un ensemble d'industries tout à fait importantes. Et aujourd'hui, on va se dessiner un troisième segment de marché, qui est le segment espace-espace, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans l'espace. Et dans l'espace, que fait-on? On ne se borne pas simplement à opérer des satellites,
on les surveille, on les traque, on maintient en état les satellites, et plus on va aller avec les constellations qui sont en cours de lancement, plus on va avoir besoin de surveiller ces satellites, et on organise par conséquent toute une activité de maintenance avec des bras, des leviers qui permettent de réparer un satellite et de prolonger la durée de vie d'un satellite. On verse du carburant lorsque c'est nécessaire. Vous savez qu'il est nécessaire de faire des corrections de trajectoire de satellite, presque pour éviter des débris. Ça consomme du carburant. Alors, on n'a pas besoin de beaucoup de carburant dans l'espace puisque nous sommes en apesanteur et qu'il suffit d'une poussée, souvent un gaz, pour repousser de plusieurs centaines de mètres et même de kilomètres un satellite et faire des corrections de trajectoire. Mais il peut arriver qu'un satellite arrive en fin de vie et qu'il soit nécessaire de recharger ce satellite en carburant. Eh bien, ce sont des activités qui se font courant. Et simplement pour vous donner l'idée de l'impact que peut avoir ce marché des services en orbite, eh bien, des métiers traditionnels, comme celui de l'assureur, se sont transformés. Je voudrais vous donner deux exemples à ce sujet. Premier exemple, quand un assureur investit le secteur spatial, que fait-il traditionnellement? Eh bien, il signe un chèque en blanc. C'est-à-dire qu'il assure le satellite, il garantit à son opérateur que tous les risques qui pourront l'affecter seront couverts. Et quand le satellite véhicule des programmes de télévision et que ces programmes de télévision donnent lieu à la vente d'espaces publicitaires, vous pouvez imaginer les enjeux considérables qui sont derrière ce marché de l'assurance spatiale. Bien sûr, on met des murs de Chine en mettant en place en particulier des dispositifs juridiques du type « je n'indemnise que les préjudices directs, je n'indemnise pas les préjudices indirects », mais il reste que nous avons là une question tout à fait importante. Or, un assureur spatial, à la différence d'un assureur terrestre, n'a pas la possibilité, lorsqu'on lui dit que le véhicule, que le satellite est endommagé, n'a pas la possibilité de faire ce que l'on fait quand on a eu un accident matériel, c'est-à-dire qu'on diligente un expert qui va venir examiner l'état du véhicule, chiffrer le montant des travaux et pouvoir déterminer, évidemment, derrière les questions de responsabilité. Non, l'assureur spatial, eh bien, verse une indemnisation sans pouvoir vérifier que le satellite est hors d'usage, qu'il est en état de fonctionnement, qu'il pourrait être réparé, tout ça. Les services en orbite permettront à l'avenir, et permettent déjà, aux assureurs d'exercer leur vigilance, leur contrôle sur la réalité des dommages que l'on invoque et pouvoir éventuellement exercer une surveillance des conditions dans lesquelles ils versent des indemnités. Et ce sont là des activités qui se développent parce que l'assureur peut exiger de l'assuré qu'il ait équipé sa constellation, par exemple, d'un satellite qui va assurer la maintenance, mais il peut aussi mandater des tiers. Et on pourrait avoir, dans les années qui viennent, des opérateurs qui lancent des satellites dont l'objet est tout simplement de travailler sur le marché de l'assurance spatiale pour surveiller, observer les constellations, leur état et pouvoir déterminer l'ampleur des travaux qu'il y a à réaliser sur un satellite. Nous avons là quelque chose de tout à fait significatif. Je ne parle pas, c'était mon deuxième exemple, je vais rapidement, de l'assurance au kilomètre, c'est la possibilité tout simplement pour nous, conducteurs terrestres, de nous assurer tout simplement en fonction du nombre de kilomètres que nous accomplissons chaque année et non plus dans le cadre de contrats qui bien souvent sont disproportionnés par rapport à l'usage que l'on fait de son véhicule. Alors, j'évoque brièvement la question des produits pour évoquer une question qui me paraît tout à fait importante. Vous savez qu'on est entré dans le déploiement de réseaux 5G, cinquième génération de téléphonie mobile, et le 5G, c'est plus que la téléphonie, c'est l'Internet sur les mobiles. C'est aussi et peut-être surtout l'avenir de la robotisation de nos entreprises. 5G, c'est d'abord une génération de communication qui va servir les besoins de l'industrie avant de servir les besoins des consommateurs que nous sommes de minutes de téléphone ou de minutes de connexion Internet. Alors, les réseaux terrestres sont souvent présentés comme des concurrents des réseaux satellites. C'est une idée qui est certes fondée dès le départ et qui a pu d'ailleurs expliquer
les réticences des États européens qui ont dit « mais nous avons des réseaux terrestres parfaitement sophistiqués, on les bascule désormais dans la 5G, nous allons avoir des moyens de connexion et des outils qui seront tout à fait performants, ce n'est pas la peine de lancer les constellations satellites comme le font les Américains, laissons-les venir sur ce marché, nous verrons bien ensuite ce que nous faisons. » On oublie une chose, c'est que quand on installe un opérateur sur le marché, en règle générale, la conséquence est que cet opérateur récupère l'intégralité du marché. Et donc, on prend des risques, évidemment, que le marché de l'Internet par satellite disparaisse définitivement au profit des Américains, peut-être un jour des Chinois. En réalité, cette approche du problème est fausse, et de plus en plus fausse, parce que l'heure n'est pas à la compétition entre ces deux types de réseaux, les réseaux terrestres et les réseaux satellitaires. Elle est davantage à leur complémentarité. Et ce que l'on voit se dessiner, c'est davantage l'hybridation des réseaux au sens de la connexion de réseaux satellitaires et de réseaux terrestres que une compétition stupide entre des opérateurs mobiles terrestres et des opérateurs de satellites ou de constellations de satellites. Et donc, il faut, me semble-t-il, essayer de tordre le cou à cette manière un peu simpliste de penser qu'en développant des réseaux terrestres, nous pouvons nous dispenser d'être présents dans le secteur spatial. Le deuxième élément, j'espère que voilà, très bien, concernant ces produits, je déploie comme ça l'ensemble des éléments pour conclure, c'est le sentiment qui s'affirme et se confirme de plus en plus que une constellation de satellites, puisque c'est de constellations que l'on parle le plus souvent aujourd'hui, c'est une infrastructure, c'est-à-dire quelque chose qui relève des contenants, des industries du contenant. Or, cette infrastructure n'est pas une fin en soi, c'est un moyen au service de la transmission de contenus. Ces contenus sont de plus en plus élaborés, de plus en plus sophistiqués. Et ce que l'on observe dans l'espace en particulier, c'est cette confluence, cette convergence entre les industries du contenant et du contenu. Et une chose qui doit confirmer ce que je suis en train d'indiquer, c'est tout simplement ce que l'on observe. Quels sont les propriétaires de ces grandes constellations de satellites? Qu'est-ce qui est derrière ces constellations de satellites? C'est Microsoft, c'est Amazon, ce n'est pas Apple, pour une fois, mais il n'en est pas loin. Bref, ce sont ceux que l'on appelle communément les GAFAM, c'est-à-dire ces plateformes électroniques qui déjà malmènent nos économies sur le plan terrestre. Et au fond, ces fournisseurs de contenu, que sont ces grands monopoles électroniques, eh bien, ces fournisseurs de contenu s'intéressent à l'espace, moins parce qu'ils sont mus par des projets personnels, que tout simplement parce qu'ils considèrent que l'avenir est à l'Internet par satellite. Ils ont besoin de prendre position dans les industries du contenant, comme ils sont tout à fait présents dans les industries du contenu. Et précisément, alors, c'est mon dernier point, c'est toute la question de l'Internet des objets, parce qu'au fond, l'Internet par satellite, on pourrait croire que ça se limite au courrier électronique, aux communications sous la forme de programmes de radio ou de télévision diffusés par satellite. Mais non, l'Internet par satellite, c'est le moyen de ce que l'on voit se mettre en œuvre, qui est l'Internet des objets. L'Internet des objets, eh bien, c'est tout simplement le dialogue universel de l'ensemble des objets qui nous entourent, qui ne sont pas simplement des ordinateurs, ce peut être tout simplement le frigo dans lequel nous mettons nos yaourts, et qui va tout simplement scanner ces yaourts, pouvoir nous indiquer quand leur délai de péremption est arrivé, et peut-être même procéder directement aux commandes de yaourts nouveaux que l'on ira chercher au drive, ou peut-être qu'ils seront livrés quelques heures plus tard au domicile. On connecte de plus en plus les frigos au Wi-Fi, et on peut s'étonner de cet usage. Fondamentalement, nous avons là l'illustration des liens inextricables qui lient le secteur spatial et le secteur de nos activités terrestres. Vous voyez, de l'espace au yaourt, il y a un lien naturel qui se fait. Alors, quelques conclusions toutes simples pour retenir votre attention. D'abord, ce constat que les évolutions que l'on observe dans l'espace depuis un certain nombre d'années
vont produire des effets dans de nombreux secteurs industriels. J'évoquais le cas des assurances, mais j'aurais très bien pu évoquer le cas des prothèses dentaires, avec évidemment l'impression à distance et la possibilité de façonner des prothèses dentaires via des satellites. Deuxième leçon, elle a son importance, l'essor des technologies va créer de nouvelles dépendances entre l'espace et les activités terrestres. Nous avons une magnifique illustration avec le GPS. Aujourd'hui, peut-on imaginer de retrouver son chemin à travers une carte? Non, on utilise couramment les moyens de radiolocalisation qui nous sont fournis, qu'ils équipent le véhicule ou qu'ils équipent notre téléphone mobile, dont la rue n'est pas rare, et je fais partie du nombre, évidemment. On voit des gens se cogner aux poteaux, aux signaux tricolores, tout simplement parce qu'ils regardent leur téléphone. Ils regardent leur téléphone, non pas parce qu'ils ont une envie répressible de surveiller leurs emails, mais tout simplement parce qu'ils cherchent leur chemin. Je fais partie du nombre de ceux-là. Les données d'origine spatiale sont en train de constituer un élément de plus en plus important de nos environnements quotidiens, et elles vont entrer dans la fourniture de services terrestres de plus en plus élaborés. Et dans le secteur automobile, il est frappant de constater que nous avons deux révolutions qui se font jour après jour. Il y a la révolution, évidemment, de la propulsion, qui, du moteur à essence ou du moteur à électrique, va emporter la révolution du véhicule automobile. C'est la révolution qui intéresse les médias et c'est ce sur quoi on porte notre attention. Mais il y a une deuxième révolution, qui est la révolution du compteur. Qui est-ce qui va être maître de l'intelligence du véhicule? Car nos véhicules seront de plus en plus sophistiqués, de plus en plus intelligents. Et il y a là quelque chose de très important, et cela va des services de secours jusqu'à l'entertainment, c'est-à-dire au fond à ce que nous mettrons dans nos véhicules pour nous distraire, puisque demain, peut-être, n'aurons-nous plus besoin de conduire et d'être vigilants sur la conduite de nos véhicules. Et enfin, de manière absolument explicite, les révolutions en cours, celles dont on parle, aussi bien dans les salons que dans les médias, ces révolutions aujourd'hui distinctes vont converger. La révolution énergétique, la révolution numérique, bien évidemment, les révolutions cybernétiques, la révolution ou les révolutions spatiales vont très vraisemblablement converger pour amplifier le mouvement de progrès technologique considérable dans lequel nous avons pris l'habitude de vivre, à ce point que nous nous étonnons qu'on ne mette pas moins de temps à juguler une pandémie, alors que nous venons de vivre un événement sans précédent. En quelques semaines, quelques mois à peine, on a pu mettre au point un vaccin qui nous a permis de résoudre un problème sanitaire qui était sans issue et qui, en d'autres époques, aurait pu décimer ou contribuer à décimer une grande partie de notre planète. Je veux parler évidemment de la COVID-19. Voilà, j'ai parlé trop longtemps, et peut-être ai-je occupé tout le temps, mais peut-être avez-vous des questions. Si vous en avez immédiatement, je suis ravi de les entendre. Si vous souhaitez m'interroger de manière distincte, je reste évidemment tout à fait heureux de m'entretenir avec vous. Parfait, merci pour cette intervention, Lucien. Est-ce que certains d'entre vous, je vous propose qu'on passe, si vous pouvez peut-être fermer votre présentation, Lucien, comme ça permettra bien sûr, pardonnez-moi. Voilà, aux personnes qui souhaitent s'exprimer. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a une sur la discussion, mais si les personnes qui sont présentes avec nous veulent réagir ou veulent poser une question, n'hésitez pas, c'est un temps qui vous est dédié. En attendant, je vais peut-être lire une question. De Benoît, justement, qui a dû nous quitter, mais qui souhaite absolument poser sa question. Très intéressant cette lecture du nouveau segment de marché espace-espace. Il pose la question, est-ce qu'il n'y aura pas également de nouvelles formes de guerre pour aller détruire des satellites de puissance hostile, pour leur couper leurs moyens de communication? Et il pose une autre question, cela peut-il générer de nouveaux besoins pour le secteur de la défense? Et si cela arrive, l'espace va-t-il devenir un nouveau Far West, car sans frontières? Alors, il faudrait en réalité s'exprimer au présent, parce que ça arrive, c'est quotidien, et c'est la raison pour laquelle on a créé le commandement de l'espace. Les satellites français sont régulièrement espionnés. Alors, ils sont espionnés de deux façons.
Ils sont espionnés par des gens qui veulent montrer au pouvoir public français qu'ils ont la capacité d'espionner. C'est généralement la stratégie des Russes. Ou ils sont espionnés par des puissances qui, elles, veulent espionner, c'est-à-dire récupérer nos données et sans vouloir créer de tensions diplomatiques internationales. Il est d'usage de dire que les Chinois sont très férus de ce type de stratégie. Donc, effectivement, on a une menace sous la forme de cyberattaque très importante. Plus on va créer des dépendances vis-à-vis de l'espace, et plus on va très vraisemblablement se trouver confronté à ce type de situation. Nous savons depuis plusieurs années, avec nos réseaux terrestres, que la vie politique de nos pays ne nous appartient plus totalement, hein. Nous avons vu le déroulement, non pas des dernières élections, encore que des élections précédentes, et particulièrement marquées par des ingérences extérieures dans la vie politique américaine. Très régulièrement, vous entendez nos dirigeants, notamment nos dirigeants français, appeler l'attention internationale sur le fait que nos démocraties doivent être vigilantes sur leurs satellites et la dépendance qui existe entre ces satellites, l'information qu'ils véhiculent et le fonctionnement de nos démocraties. Je le répète, le commandement de l'espace, la mise en place, la revendication des Américains en faveur des zones de sécurité dans les accords Artemis, que j'évoquais tout à l'heure, fait partie de cette vigilance que les puissances veulent avoir vis-à-vis de l'espace et des technologies spatiales. D'accord, très bien. Et justement, par rapport à des industriels qui sont déjà présents sur le secteur de la défense ou qui bien aimeraient y tendre, quels sont aussi vos regards, vos points de peut-être d'alerte ou de vigilance au regard des éléments que vous nous avez partagés ce matin ? C'est pour ça que tout à l'heure, vous m'avez vu insister sur le fait que la défense restait un client important du secteur des activités spatiales. C'est une réalité. L'entreprise SpaceX s'est déployée, s'est développée à l'ombre du ministère de la Défense, du DOD américain. Et notre industrie spatiale nationale est financée pour une large part par le secteur de la défense. Alors, mon regard est très simple, c'est qu'effectivement, il n'y a pas simplement que des financements qui viennent de la défense, il y a des marchés, et derrière ces marchés, il y a des produits dont certains sont existants et d'autres sont à créer. Donc, la foire aux idées est ouverte, et ce qu'il faut, c'est aborder l'espace comme on l'a fait jusqu'à présent, avec l'esprit de rigueur qui caractérise les ingénieurs du secteur spatial. Encore une fois, les salles blanches sont le meilleur antidote au pessimisme ambiant, c'est-à-dire que si on veut vraiment retrouver de la confiance dans l'intelligence humaine, il faut voir une salle blanche, il faut visiter une salle blanche, parce que là, on se rend compte que ce que l'homme est capable de faire, phénoménal. Nous avons là donc une première qualité, mais la deuxième qualité dont on a besoin dans l'espace et qu'on est en train d'acquérir, c'est la créativité, c'est l'innovation, c'est l'esprit d'innovation. Et au fond, ce sont deux qualités françaises, soit dit en passant, la rigueur d'un côté. Nous sommes un peuple rigoureux, en dépit de ce qu'on dit internationalement de nous, et nous sommes un peuple très créatif, capable de penser en dehors de la boîte et d'avoir une capacité d'innovation tout à fait importante. Et ce qui est désolant, c'est que ces qualités, qui sont des qualités du monde de demain et déjà du monde d'aujourd'hui, ne soient pas davantage enseignées. Nous le faisons à notre modeste mesure à l'université. On forme des juristes à la fois rigoureux et créatifs, ce qui implique qu'ils connaissent parfaitement les règles, et nous faisons en sorte qu'ils le fassent, mais il faudrait qu'on généralise ce conseil à l'ensemble de l'économie du pays. Très bien, merci pour votre retour. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? N'hésitez pas, sinon, si vous n'osez pas les partager, à le mettre dans la discussion. Sinon, vous avez, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez les coordonnées de M. Rapp, je vous les transmettrai. Bien sûr, n'hésitez pas à les transmettre et je suis ravi de m'entretenir avec l'un ou l'autre, s'il le souhaite ou si elle le souhaite, soit par téléphone si nécessaire, soit par voie électronique. Et bien sûr, nous sommes ravis de partager au sein de la chaire Sirius nos travaux avec tous ceux qui le souhaitent.
Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, Mais je vous en prie. Lucien, pour ce temps Je vous en prie. d'échange. Voilà, j'espère que ça vous a tous autant intéressés que nous l'avons été. Et puis, donc n'hésitez pas si vous avez des réactions, des questions. Et puis, nous, du point de vue aussi des industriels, à suivre aussi cette évolution que vous nous avez expliquée et ces Bien sûr. révolutions que vous nous avez présentées ce matin. Merci à tous pour information. Alors je sais que parmi vous, certains sont déjà inscrits au prochain webinaire. Il y en aura un autre vendredi prochain, si cela vous intéresse, sur le sujet oui, au niveau, donc c'est le septième qui va intervenir au niveau des super matériaux. Et puis,